Chapitre 56. Adoration des trois mages. Celui qui m'avertit intérieurement me dit : appelle ces contemplations que tu vas avoir et que je te présenterai les évangiles de la foi, car pour toi et pour les autres, ils viendront mettre en lumière la puissance de la foi et de ses fruits, et vous assurer dans votre foi en Dieu. Je vois Bethléem, petite et toute blanche, rassemblée comme une couvée de poussins sous la lumière des étoiles. Deux rues principales s'y coupent à angle droit. L'une venant d'au-delà du pays, c'est la route principale qui continue au-delà de la ville, et l'autre qui coupe la ville dans toute sa largeur, mais ne va pas plus loin. D'autres petites rues découpent ce petit pays sans la moindre trace d'un plan d'ensemble comme nous le concevons, mais s'adaptant au terrain qui est à plusieurs niveaux et aux maisons qui se distribuent çà et là selon les accidents du sol et les caprices des constructeurs. Tournées les unes à droite, les autres à gauche, d'autres de biais par rapport à la rue qui les borde, elles l'obligent à se présenter comme un ruban qui se déroule avec des sinuosités au lieu d'être un chemin rectiligne qui va d'un endroit à l'autre sans déviation. De temps en temps, il y a une petite place, soit pour un marché, soit pour une fontaine, soit parce que, à cause des constructions qui se dressent au hasard, elle est restée une portion de travers où l'on ne peut plus rien construire. À l'endroit où il me semble que je dois particulièrement m'arrêter, il y a précisément une de ces petites places irrégulières. Elle devrait être carrée ou au moins rectangulaire. Elle se présente comme un trapèze si bizarre qu'on dirait un triangle rectangle dévié au sommet. Le côté le plus long, la base du triangle, est un bâtiment large et bas, le plus large du pays. Du dehors, c'est une haute muraille lisse et nue sur laquelle s'ouvrent à peine deux portes cochères maintenant bien closes. À l'intérieur, au contraire, sur toute une cour carrée, il y a de nombreuses fenêtres au premier étage, pendant qu'au rez-de-chaussée, on voit des portiques qui entourent des cours jonchées de paille et de détritus avec des vasques pour abreuver chevaux et autres animaux. Aux rustiques colonnes des portiques, il y a des anneaux pour attacher les animaux et, sur un côté, un vaste hangar pour abriter les troupeaux et les montures. Je comprends qu'il s'agit de l'auberge de Bethléem. Sur deux autres côtés, de même longueur, il y a des maisons et des maisonnettes, les unes précédées d'un jardinet, d'autres non, parce que parmi elles, il y en a qui ont la façade sur la place et d'autres à l'arrière. Sur l'autre côté, plus étroit, en face le caravansérail, il y a une unique maisonnette avec un petit escalier extérieur qui donne accès au milieu de la façade aux chambres du premier étage. Elles sont toutes fermées car il fait nuit. Il n'y a personne dans les rues à cause de l'heure. Je vois qu'augmente la clarté nocturne qui tombe d'un ciel constellé d'étoiles si belles dans le ciel d'Orient, si vivantes et si grandes qu'elles paraissent toutes proches et qu'il serait facile de les rejoindre et de les toucher, ces fleurs qui brillent sur le velours du firmament. Je lève les yeux pour me rendre compte de la source de cette croissance de lumière. Une étoile de grandeur inhabituelle, comme une petite lune, s'avance dans le ciel de Bethléem. Les autres semblent s'éclipser et lui donner passage comme des suivantes au service de la reine, tant son éclat les surpasse et les fait disparaître. Du globe, qui semble un énorme éclair saphir éclairé de l'intérieur par un soleil, part un sillage lumineux dans lequel, à la prédominance du clair saphir, se fondent les blonds des topazes, les verts des émeraudes, la lueur opalescente des opales, les clartés sanguines des rubis et les doux scintillements des améthystes. Toutes les pierres précieuses de la terre sont dans ce sillage qui parcourt le ciel d'un mouvement rapide et ondulant comme s'il était vivant. Mais la couleur qui domine, c'est cette couleur qui semble pleuvoir du globe de l'étoile. La paradisiaque couleur de pâle saphir qui descend pour colorer d'argent azuré les maisons, les rues, le sol de Bethléem, berceau du Sauveur. Ce n'est plus la pauvre cité qui pour nous ne serait qu'une agglomération rurale, c'est une fantastique cité de contes de fées où tout est d'argent. L'eau des fontaines et des vasques est comme du diamant liquide. Avec la splendeur d'un plus vif éclat,
l'étoile s'arrête au-dessus de la petite maison qui se trouve sur le côté étroit de la petite place. Ni ses habitants, ni ceux de Bethléem ne la voient parce qu'ils dorment dans les maisons fermées. Cependant, l'étoile accélère les palpitations de sa lumière et sa queue vibre et se balance davantage en décrivant des demi-cercles dans le ciel qui s'éclairent tout entiers par l'effet de ce filet d'astres qu'elle entraîne, de ce filet de pierres précieuses qui resplendissent de mille couleurs sur les autres étoiles comme pour leur communiquer une parole joyeuse. La petite maison est toute baignée de ce feu liquide de perles. Le toit de la petite terrasse, le petit escalier de pierre sombre, la petite porte, tout est un bloc de pur argent saupoudré d'une poussière de diamants et de perles. Nul palais de roi n'a eu ni n'aura un perron semblable à celui fait pour recevoir les pas des anges, pour servir à la mère qui est la mère de Dieu. Ses petits pieds de Vierge Immaculée peuvent se poser sur cette éclatante blancheur, ses petits pieds destinés à se poser sur les degrés du trône de Dieu. Mais la Vierge ne sait rien de cette féerie. Elle veille près du berceau du Fils et prie. En son âme, elle possède des splendeurs qui surpassent celles dont l'étoile embellit les choses. De la rue principale s'avance un défilé, chevaux harnachés et d'autres conduits à la main, dromadaires et chameaux, les uns montés, les autres chargés. Le son des sabots fait un bruit d'eau qui ruisselle en les heurtant sur les pierres d'un torrent. Arrivés sur la place, tous s'arrêtent. Le défilé, sous le rayonnement de l'étoile, est d'une splendeur fantastique. Les ornements des très riches montures, les habits des cavaliers, les visages, les bagages, tout resplendit, ravivant et unissant le propre éclat des métaux, des cuirs, des soies, des gemmes, des pelages à la clarté de l'étoile. Les yeux rayonnent et les bouches sourient parce qu'une autre splendeur s'est allumée en leur cœur, celle d'une joie surnaturelle. Pendant que les serviteurs se dirigent vers le caravansérail avec les animaux, trois personnages de la caravane descendent de leur respective monture qu'un serviteur conduit ailleurs et se dirigent à pied vers la maison. Là, ils se prosternent, front contre terre, baisant la poussière. Ce sont trois personnages puissants, comme l'indiquent leurs très riches habits. L'un, de peau très foncée, à peine descendu d'un chameau, s'enveloppe tout entier dans un magnifique vêtement de soie blanche. Son front est ceint d'un cercle de métal précieux et il a à la taille une riche ceinture d'où pendent un poignard ou une épée dont la garde est ornée de gemmes. Les deux autres, descendus de deux magnifiques chevaux, sont vêtus l'un d'une étoffe rayée très belle où domine la couleur jaune. Cet habit est fait comme un long domino garni d'un capuchon et d'un cordon qui semble fait tout d'une pièce en filigrane d'or tant ils sont ornés de broderies d'or. Le troisième porte une chemise de soie bouffante qui sort d'un large et long pantalon serré aux pieds. Il est enveloppé dans un châle très fin, véritable jardin fleuri, tant sont vives les couleurs dont il est orné tout entier. Sur la tête, un turban retenu par une chaînette ornée de chatons de diamants. Après avoir vénéré la maison où réside le Sauveur, ils se relèvent et se rendent au caravansérail où les serviteurs ont frappé et fait ouvrir. Ici s'arrête la vision. Elle reprend 3 heures plus tard avec la scène de l'adoration des mages à Jésus. Voilà le jour. Un beau soleil resplendit dans un ciel d'après-midi. Un serviteur des trois mages traverse la place et monte le petit escalier de la maisonnette. Il rentre. Il sort. Il retourne à l'auberge. Les trois mages sortent, suivis chacun de son propre serviteur. Ils traversent la place. Les rares passants se retournent pour regarder les majestueux personnages qui passent très lentement, avec solennité. Entre la venue du serviteur et celle des trois, il s'est passé un bon quart d'heure, ce qui a donné aux habitants de la maisonnette le temps de se préparer à recevoir les hôtes.
Ceux-ci sont encore plus richement vêtus que le soir précédent. Les soies resplendissent, les gemmes brillent. Un grand panache de plumes de grand prix parsemé d'écailles encore plus précieuses étincelle sur la tête de celui qui porte le turban. L'un des serviteurs porte un coffre tout orné de marqueterie dont les garnitures métalliques sont en or buriné. Le second porte une coupe d'un travail très fin, couvert par un couvercle tout en or ciselé. Le troisième, une sorte d'amphore large et basse, en or également, avec une fermeture en forme de pyramide qui, à son sommet, porte un brillant. Ces objets doivent être lourds, car les serviteurs ont peine à les porter, spécialement celui qui est chargé du coffre. Les trois montent l'escalier et entrent. Ils pénètrent dans une pièce qui va de la route à l'arrière de la maison. On aperçoit le jardinier par derrière à travers une fenêtre ouverte au soleil. Des portes s'ouvrent dans les deux autres murs d'où regardent les propriétaires de la maison, un homme, une femme et trois ou quatre enfants entre deux âges. Marie est assise avec l'enfant sur son sein et Joseph debout à côté. Mais elle se lève aussi et s'incline quand elle voit entrer les trois mages. Elle est toute vêtue de blanc, si belle dans son simple habit blanc qui la couvre de la base du cou aux pieds, des épaules aux poignets délicats, si belle avec la tête couronnée de tresses blondes, en son visage que l'émotion couvre d'un rose plus vif, en ses yeux qui sourient avec douceur, avec une bouche qui s'ouvre pour saluer. Dieu soit avec vous. Les trois mages en restent un instant interdits, puis ils s'avancent, se prosternent à ses pieds et la prient de s'asseoir. Eux, non, ils ne s'assoient pas, malgré l'invitation de Marie. Ils restent à genoux, appuyés sur leurs talons. En arrière et à genoux aussi sont les trois serviteurs. Ils sont tout de suite derrière le seuil. Ils ont posé devant eux les trois objets qu'ils portaient et ils attendent. Les trois sages contemplent le bébé. Il me paraît avoir de 9 mois à 1 an, tant il est éveillé et robuste. Il repose sur le sein de sa mère. Il sourit et jase avec une voix de petit oiseau. Il est tout vêtu de blanc comme la maman, avec des sandalettes minuscules aux pieds. Un petit vêtement très simple, une tunicelle, d'où sortent les petits pieds remuants, les mains grassouillettes qui voudraient tout saisir, et surtout le très joli petit visage où brillent les yeux d'azur foncé et la bouche qui fait des fossettes des deux côtés quand il rit et découvre ses premières petites dents. Les petites boucles de cheveux semblent une poussière d'or tant ils sont brillants et vaporeux. Le plus âgé des sages parle au nom de tous. Il explique à Marie qu'ils ont vu, une nuit du mois de décembre précédent, une nouvelle étoile qui s'est allumée dans le ciel avec une inhabituelle splendeur. Jamais les cartes célestes n'avaient porté cet astre ou ne l'avaient signalé. Son nom était inconnu. Elle n'avait pas de nom. Née du sein de Dieu, elle avait fleuri pour dire aux hommes une vérité bénie, un secret de Dieu. Mais les hommes n'en avaient pas fait cas, car leurs âmes étaient plongées dans la boue. Ils ne levaient pas leur regard vers Dieu et ne savaient pas lire les paroles qu'il trace. Qu'il en soit éternellement béni, avec les astres de feu sur la voûte des cieux. Eux l'avaient vu et s'étaient efforcés de comprendre sa voix. Renonçant de bon cœur au peu de sommeil qu'ils accordaient à leurs membres, oubliant de manger, ils s'étaient plongés dans l'étude du zodiaque. Et les conjonctions des astres, le temps, la saison, les calculs des anciens temps et des combinaisons astronomiques leur avaient dit le nom et le secret de l'étoile. Son nom, Messie. Son secret, être le Messie venu au monde. Et ils étaient partis pour l'adorer, chacun à l'insu des autres. Traversant monts et déserts, vallées et fleuves, voyageant de nuit, ils étaient venus vers la Palestine, car l'étoile allait dans cette direction. Et chacun des trois points différents de la terre s'en allait vers cette direction. Et ils s'étaient trouvés ensuite ensemble au-delà de la mer morte. La volonté de Dieu les avait réunis là, et ensemble ils étaient allés de l'avant, se comprenant,
bien que chacun parlât sa langue propre, comprenant et pouvant parler les langues des pays traversés par un miracle de l'Éternel. Ensemble, ils étaient allés à Jérusalem parce que le Messie devait être le roi de Jérusalem, le roi des Juifs. Mais l'étoile s'était cachée sur le ciel de cette ville. Ils avaient senti leur cœur se briser de douleur et s'étaient examinés pour savoir s'ils avaient démérité de Dieu. Mais s'étant rassurés la conscience, ils étaient allés trouver le roi Hérode pour lui demander dans quel palais était né le roi des Juifs qu'ils étaient venus adorer. Le roi, ayant réuni les princes des prêtres et les scribes, leur avait demandé où pouvait naître le Messie, et ils avaient répondu « à Bethléem de Juda ». Ils étaient venus vers Bethléem, et l'étoile était réapparue à leurs yeux, avait quitté la cité sainte, et le soir précédent avait augmenté de splendeur. Le ciel était tout embrasé. Puis l'étoile s'était arrêtée, rassemblant la lumière des autres étoiles en son rayonnement au-dessus de cette maison. Ils avaient compris que c'était là que se trouvait le divin né. Maintenant ils l'adoraient, offrant leur pauvre cadeau et par-dessus tout leur cœur qui n'avait jamais cessé de bénir Dieu pour la grâce qu'il leur avait accordée et d'aimer son Fils dont ils voyaient la sainte humanité. Ensuite, ils retourneraient rendre compte au roi Hérode parce que lui aussi désirait l'adorer. Voici à la fois l'or qu'il convient à un roi de posséder, voici l'encens comme il convient à un dieu, et voici, ô mère, voici la myrrhe, parce que ton enfant né, qui est Dieu, est aussi un homme, et dans sa chair et sa vie d'homme, il connaîtra l'amertume et la loi inévitable de la mort. Notre amour voudrait ne pas les dire, ces paroles, et penser que sa chair est éternelle comme son esprit. Mais, ô femme, si nos cartes et surtout nos âmes ne se trompent pas, lui, ton Fils, est le Sauveur, le Christ de Dieu, et pour ce motif, il devra, pour sauver la terre, prendre sur lui le mal de la terre, dont un des châtiments est la mort. Cette résine est pour cette heure, pour que ces chairs saintes ne connaissent pas la pourriture de la corruption et conservent leur intégrité jusqu'à la résurrection. Qu'à cause de ses dons, lui se souvienne de nous et sauve ses serviteurs en leur donnant son royaume. Pour l'instant, pour en être sanctifié, qu'elle, sa mère, offre son petit enfant à notre amour. Et en baisant ses pieds, descende sur nous la bénédiction céleste. Marie, qui a surmonté l'effroi provoqué par les paroles des sages et a caché sous un sourire la tristesse de la funèbre évocation, offre le bébé. Elle le met sur les bras du plus ancien, qui le baise et reçoit ses caresses, et puis le passe aux autres. Jésus sourit et joue avec les chaînettes et les franges des trois. Il regarde avec curiosité les crins ouverts, pleins d'une matière jaune et brillante. Il rit en voyant que le soleil fait un arc-en-ciel en touchant le brillant du couvercle de la myrrhe. Puis les trois rendent le bébé à sa mère et se lèvent. Marie aussi se lève. Le plus jeune des mages donne à son serviteur l'ordre de sortir. Alors on s'incline de chaque côté. Les trois parlent encore un peu. Ils ne peuvent se décider à quitter cette maison. Des larmes d'émotion se voient dans tous les yeux. À la fin, ils se dirigent vers la sortie, accompagnés de Marie et de Joseph. Le bébé a voulu descendre et donner sa petite main au plus ancien des trois. Il marche ainsi, une main dans la main de Marie, l'autre dans celle du sage qui se penche pour le conduire. Jésus a le pas encore incertain de l'enfant et rit en frappant du pied la bande lumineuse que fait le soleil sur le pavé. Arrivés au seuil, il ne faut pas oublier que la pièce prenait toute la longueur de la maison. Les trois personnages prennent congé en s'agenouillant une dernière fois et en baisant les pieds de Jésus. Marie, penchée sur le bébé,
prend sa petite main et la guide pour faire un geste de bénédiction sur la tête de chacun des mages. C'est déjà un signe de croix tracé par les petits doigts de Jésus que guide Marie. Puis les trois descendent l'escalier. La caravane est déjà là, toute prête et qui attend. Les bossettes des chevaux resplendissent au soleil couchant. Les gens se sont rassemblés sur la petite place pour voir l'insolite spectacle. Jésus rit en battant les petites mains. La maman l'a soulevé et appuyé au large parapet qui borde le palier. Elle le tient avec un bras sur sa poitrine pour l'empêcher de tomber. Joseph est descendu avec les trois et tient l'étrier à chacun d'eux pendant qu'ils montent à cheval ou à chameau. Maintenant, serviteurs et maîtres, tout le monde est en selle. On donne le signal du départ. Les trois se courbent jusque sur le cou de leur monture pour un ultime salut. Joseph s'incline, Marie aussi, et elle se met à guider la petite main de Jésus en un geste d'adieu et de bénédiction. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée. www.associationmariavaltorta.fr